La manœuvre est impressionnante et forcément, elle a attiré de très nombreux curieux. En fin de semaine dernière, l'entreprise Lussault-Lomaillé de Tiffauges a remis à sa place la cloche Saint-Benoît. Démontée pour être réparée puisque ses anses étaient cassées, la jolie dame d'1,350 m de diamètre et de 1 400 kg de bronze a donc retrouvé sa place dans le clocher de la cathédrale de Luçon. Facile à dire, pas facile à faire, mais pour ces artisans campanistes, rien n'est impossible, même si cette manœuvre réalisée sous les yeux de très nombreux spectateurs a été quelque peu complexe. La particularité de la cathédrale, c'est quand elle a reçu en fait son orgue, il y a eu une modification architecturale en fait du premier niveau, ce qui fait que la première ogive, juste au niveau de l'entrée, dans l'alignement en fait du fût du clocher, ce qu'on appelle la cheminée directement, l'oculus a été modifié. Donc, c'est-à-dire qu'il permet la descente de toutes les cloches, sauf de celles que nous avons bougées, donc de Saint-Benoît et du Bourdon. Donc, on a dû procéder au démontage partiel du cadran en bois qui était sur un assemblage traditionnel, qui était en mauvais état, afin en fait de pouvoir coucher les reins et la sortir à l'aide en fait d'une grue. Une fois passé par le cadran de la cathédrale, il faut encore la hisser plus haut pour la remettre à son emplacement précis. La particularité, c'est qu'elle est positionnée au-dessus du bourdon. Donc en fait, pour pouvoir la passer, il a fallu bouger le bourdon pour pouvoir remonter, faire ce qu'on appelle l'annumage de la cloche. Une manœuvre qui nécessite, vous l'aurez compris, doigté mais aussi muscles et qui se réalise dans un espace confiné, rempli de pièges. Oui, effectivement, il faut toujours faire beaucoup d'attention parce qu'on travaille systématiquement dans des endroits où on ne peut pas sécuriser 100% du chantier comme on peut le faire sur un chantier extérieur avec un échafaudage ou en fait des plateformes. Donc en fait, forcément, il y a des compagnons qui ont pas mal d'expérience. Il y a aussi des gens nouveaux qui suivent les nouveaux compagnons. Et d'ailleurs, ces compagnons-là ont un nom, ça s'appelle des campanistes. Avec ce nouveau nom, puisqu'en fait, c'est un métier en fait ancestral qui a un nom qui a été proposé à l'Académie française en 2006, reconnu en 2007 et a fait son apparition dans le dictionnaire en 2008. C'est un métier assez rare dans le sens où aujourd'hui, nous sommes moins de 35 entreprises en France et à peu près 300 collaborateurs, 300 compagnons campanistes qui œuvrent chaque jour en France. Et pourtant, il y a beaucoup de cloches, mais que celles des églises, donc c'est quand même limité. Une autre cloche manque encore à l'appel. Dans la cathédrale de Luçon, elle sera remontée très prochainement.